Saint-Dominique de Kigali. Méditation de samedi saint. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus à jamais. Après avoir fait mémoire de la scène du Seigneur, de sa passion et de sa mort sur la croix, nous voici plongés dans le grand silence du samedi saint. L'Église se recueille près du tombeau du Seigneur. Seule la liturgie des heures est maintenue, aucune messe n'est célébrée, et confinement oblige, nous allons vivre ce grand silence à la maison. Plus particulièrement au Rwanda, nous commémorons les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Même s'il n'y a pas d'évangile particulier à méditer en ce samedi saint, je propose de méditer ce passage d'évangile johannique où Jésus annonçait sa mort en ces termes. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Jean chapitre 12, verset 32. C'est une parole qui, à mes yeux, traduit l'expérience que nous vivons aujourd'hui. En effet, la descente de Jésus aux enfers signifie qu'il entre aussi dans nos tombeaux, les tombeaux de nos peurs paralysantes, de nos souffrances ensevelies, de nos déceptions enfuies, de nos échecs et humiliations accumulées, de nos refus de Dieu, etc., pour nous en libérer, nous attirer vers lui et nous conduire à la vie que la mort ne peut nous arracher. Avec Marie, qui retenait tous les événements liés à Jésus et les méditait dans le silence de son cœur, nous prions. Seigneur Jésus, avec la Vierge Marie, qui a attendu avec espérance le lendemain de Dieu, après le drame du Golgotha, nous te confions nos silences et nos vides intérieures, espérant que ce qui semble être la fin d'un monde autour de nous est en réalité le début d'une ère nouvelle. Aide-nous à comprendre profondément l'importance de ta mort et de ta résurrection. À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Vierge Marie, priez pour nous.